Bien les gars, c'est Armé, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débloquer une nouvelle race en V3 sur Bloxbury dans cette vidéo. Et je ne sais pas encore ça va être quelle race, parce qu'il va falloir que je fasse un reroll de race. On va bien voir sur quelle race on va pouvoir obtenir. Et je vais vous dire, c'est parti. Juste avant les gars, n'hésitez pas, le petit abonnement et tout, ça régale. Vous connaissez la chanson et c'est parti. Pas besoin de dépenser de Robux, on va juste utiliser nos fragments. J'ai 85 000 fragments, donc j'ai vraiment de quoi faire. Actuellement, je suis race humaine et je vais pouvoir obtenir soit la race Ghoul, soit la race Shark, soit la race Minx, soit la race Angel. Et peu importe la race sur laquelle je vais tomber, je vais l'augmenter en V3 parce que une V3, bah, je les ai aucunement monté en V3. Et c'est parti, on lui parle. Est-ce que tu veux changer ta race pour 3000 fragments? Oui, c'est parti. Oh là 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 là, il va être l'heure de faire la V3 de la race Minx. Ok, bon, actuellement du coup, on vient d'obtenir la V1, ça veut dire obtenir la race tout court. Et après, on va passer du coup à la V2, ensuite la V3, et on va essayer d'affronter des boss pour voir si notre race, eh ben, elle est si puissante qu'elle le dit. En tout cas, en V2, ça va être cool. On va augmenter de pas mal de stats en plus, mais juste avant, qu'est-ce qu'elle donne la race Minx en V1? Alors sur le wiki, ils disent que la race Minx, elle donne 1.5 de multiplicateur de vitesse. Par exemple, si je cours à 100 km/h, et eh ben là, je vais être courir maintenant à 150. Autant vous dire que c'est plutôt très très fort. Et même, attendez mais les gars, mais je vais équiper le casque helmet. Là, je vais courir tellement vite. Hop là, le pilote helmet. Et là, vous êtes prêts? 3, 2, 1, on lâche. Et là, oh là là, la vitesse, c'est parti. J'arrive l'alchimiste pour la V2. Bonjour, bonjour, monsieur l'alchimiste. On lui parle et il nous dit, t'as pas atteint ton max potentiel. Et effectivement, je sais bien, va me retrouver 3. Bah, amène-moi 3 différentes fleurs. Très bien, ok, reviens me voir une fois que tu les as trouvées. Ok, parfait. Et alors, c'est parti. Pour le moment, il fait encore jour. Il y a possibilité d'avoir la rouge. Let's go, on a directement eu la première fleur, c'est la fleur rouge, du coup on peut l'obtenir que durant la journée et il va pas tarder à faire nuit, donc tant mieux qu'on a réussi à la trouver assez rapidement. Et vous savez quoi, parlons de la nuit, on va directement aller chercher la fleur bleue là maintenant, bah qui va commencer à faire nuit. La nuit est totalement tombée et regardez les gars, la fleur bleue est déjà ici. On vient de speedrun les fleurs, je vous promets qu'on est allé tellement vite. Donc on a obtenu la fleur bleue, là maintenant on va pouvoir se re-téléporter au K2 pour pouvoir aller choper notre troisième flower, la yellow flower. Let's go, j'étais en train de tous les tabasser, on a déjà drop la dernière fleur. Attendez les gars, c'est un petit peu plus fort que moi de devoir tous les taper encore une fois. Tiens, prends toi ça. Voilà, nickel. C'est bon les gars, on a actuellement toutes les fleurs. On peut donc, voilà, la petite jaune. Donc là, on a rouge, bleu et jaune, nickel. On peut maintenant partir, reparler au petit alchimiste pour pouvoir obtenir notre V2. J'arrive l'alchimiste. Ok, de retour. On peut du coup te parler et pour 500 000 $, racheter la V3, c'est nickel. Hop là, c'est acheté. Bon, esthétiquement, rien n'a changé. J'ai toujours mes petites oreilles comme ceci là. Ta race a été évoluée. Ouais, let's go. Merci beaucoup. Alors du coup, la race de Minx en V2, qu'est-ce qu'elle donne? Alors, elle augmente la vitesse du joueur de x2. Ok, du coup, on passe de 1.5 à x2. Donc, on double, contrairement à ce qu'elle donne de base. Et ben, on arrive à doubler. Donc là, on court encore plus vite qu'au début. Augmente les dash lengths. Ok, donc la distance des dash. Maintenant, quand je fais un dash, je vais du coup beaucoup plus loin. Et aussi, ça me coûte moins de stamina, qui est pas mal. Du coup, ça m'en coûte que 15 au lieu de 25. Mais après, je pense pas que ce soit le truc non plus qui dépense le plus de stamina. Et le cooldown n'est pas réduit. Ok, le cooldown est réduit, je pense que sur la race humaine en humain du coup. En V2, maintenant qu'on a obtenu du coup notre V2, on va pouvoir aller chercher notre petite V3 qui va consister à aller choper 30 coffres dans la map. Mais pour ça, il faut déjà aller parler au cousin de Ripindra. J'arrive, hop là, me voici à Raw Greeting. Yes sir, let's greeting. Ok, que le commencement commence. Hi the strange, bref, vous connaissez le truc tout en anglais. Bon, excellent, reparle-moi une fois que tu as pris du coup 30 trésors chest, aka des coffres au trésor pour nous en français. Et on va commencer directement par le tout premier qui est juste ici. Voilà, nickel. Et bah, il en reste plus que 29 à aller chercher. Donc vous savez quoi, on se retrouve quand les 29 coffres ont été pris. Mais juste avant, on va se retrouver en fait, hop là, quand les 28 coffres vont être pris. Techniquement, les gars, ça devrait faire du coup 30 coffres qu'on a récupérés. On va pas en récupérer encore quelques autres, mais j'ai pas encore parlé du coup à Arrow, mais je pense qu'on les a vraiment tous récupérés. Si on a fait deux fois le tour de tous les coffres là-bas, je pense même j'en ai 50. Vraiment, les gars, sans aucune vanne, j'en ai un petit peu trop pris. Et là, du coup, on va parler à Arrow, sir. Ok, c'est bon, let's go. On va pouvoir acheter notre V3. Oh là là, la V3 Minx, c'est parti. Oh, il y a eu un petit changement. Ok. Donc déjà, nouveau titre débloqué, Unmatched Speed, ok. New title, attends, c'est quoi le titre du coup? Godspeed, ok, on a deux nouveaux titres de débloquer. Et surtout, les changements, esthétiquement,
Ouais, bon, j'ai toujours mes petites oreilles de lapin. Mais surtout, maintenant, j'ai un petit pompon, les gars. Allez, j'ai un petit pompon là. Et du coup, ça... là, maintenant, mais les gars, vous voulez jouer avec qui, là? À la vitesse, vous voulez jouer avec moi? C'est parti! Let's go! Oh, en plus, avec le casque pilote helmet. Oh là là, je suis tellement bien! Oh, la vitesse que je vais prendre. Ah, j'ai plus la V3, mais je continue à courir, je m'arrêterai pas. Let's go! Et bref, allez, on s'arrête quand même, les gars. Bon, la V3, du coup, qu'est-ce qu'elle donne en plus? Quand on active l'ability, eh ben, je cours 4 fois plus vite. Donc, en fait, auparavant, là, actuellement, les gars, je cours 2 fois plus vite. Eh ben, en fait, je cours cette vitesse-là, mais encore en 2 fois plus vite. Du coup, t'as cumulé cette vitesse plus la même vitesse, et bah ça donne ça. Ça donne cette vitesse. En plus, maintenant quand je dash, et bah je fais des dashs encore plus loin que anciennement au début, et mes cooldowns de dash sont réduits. Donc en fait, là maintenant je dash, et là peut-être genre que j'attende une seconde, et bah maintenant va falloir que j'attende beaucoup moins avant de pouvoir redash. Et ça dure pendant 6 secondes et demie, et j'ai 30 secondes de cooldown avant de pouvoir réactiver la petite compétence. Alors attendez, tout à l'heure je voulais faire un random fruit, je me suis dit je vais faire un random fruit, parce qu'en fait il y a un abonné, il m'a envoyé un MP qu'il a réussi à random le léopard en mettant mon code. Bon, les gars, vous savez peut-être que moi, je suis pas un grand amateur des codes. Je mets jamais de code quand je fais des random free. Mais on va quand même tester. Il m'a dit qu'il a rentré ce code-là. Sub to CRB, comme ceci. Ok, on le rentre. Et là, en admettons, si ça se trouve, dans un monde parallèle, on va réussir à avoir un bon truc. C'est parce qu'on achète. Ouais, bon, ça me semblait effectivement les codes, c'est, ça fonctionne pas à coup sûr. Ça, je suis sûr de cette théorie du moins. Et là, les gars, je vais vous dire, est-ce que on serait pas prêt pour affronter un petit peu tous les boss avec maintenant notre Minx? En plus, oh, j'ai une idée de comment les affronter, les gars. Bref, allez, passons directement à Jérémy et vous allez voir ça. Il y a Jérémy juste en face de moi, mais je vais attendre de pouvoir récupérer ma petite ability, les gars. Elle est censée pas tarder à arriver. Techniquement. Allô, l'ability. Voilà. Ok, nickel. Là, les gars, c'est parti. Let's go. Attends, faut que je tourne ma souris assez rapidement. Allez. Oh, attendez. Oh, l'a battu en 6 secondes 5. 6 secondes et demie, du coup. On l'a battu vraiment à la vitesse de notre temps d'ability. Ok, les gars, je pense vraiment que je suis intouchable comme ça. Qui est-ce que je pourrais bien affronter maintenant? Ah, je sais pas. Je suis en train de rad un peu aux alentours. En fait, qui a spawn surtout? C'est ça ma question. J'ai fait V3 ma race Minx un peu trop rapidement. Du coup, je sais pas qui a bel et bien pu spawn. Ouais, je pense que l'amiral cousin, ça peut être pas si mal que ça. Bon, on va voir s'il aura le temps de faire au moins une compétence. Et bon, on est arrivé. Et les gars, j'ai mis méga point. Et ah bah, en ce moment, en plus, il a spawn. J'ai même pas checké, c'est vrai. Est-ce que tu es prêt? Aïe, attends. Aïe, ok, attends. Viens, je te mets un petit coup juste que tu descends d'ici. C'est parti, let's go. Allez. Oh là là. Ah, non, non, en fait, j'aurais jamais dû lui mettre un petit coup, les gars. Je suis sûr que c'est à cause de ça qu'il a pu faire sa compétence. Et c'est terminé. Oh, Library Key, ah, intéressant. On pourrait ouvrir cette porte juste ici grâce à cette clé. Non, je ne ferai pas ça, les gars. ça sera pour une prochaine vidéo quand on ira chercher les God Human. Pour le moment, c'est pas encore prévu. Bref, passons aussi à un autre boss. Est-ce qu'on passerait pas en C3? En fait, en C3, je suis sûr qu'ils n'ont pas spawn les boss. Donc, c'est quoi? On va aller chercher le boss tout là-bas. J'arrive, je sais pas comment tu t'appelles, mais j'arrive. Transform... Ah, bah attendez, il a pas spawn, en fait. Non. On va transformation. On retourne avec les codes humains. C'est bon, le boss, il vient de spawn, regardez. Il est juste derrière moi. Oui, il fait nuit parce qu'il a mis un petit peu du temps à spawn. C'est parti, Shinzo Sasageyo. Ok, la transformation en Bouddha, elle a été effectuée. C'est parti, de nouveau, lancement de l'autoclic. Alors là, ce qui va être un peu plus compliqué, c'est que il a un peu plus de PV, lui. Hein. Lui, il me semble qu'il a un peu plus de PV. Ok, c'est bon, là, on a nos big points. C'est parti, à l'attaque. Ok, attends, on a loupé beaucoup de coups. Oh, beaucoup de coups. Attendez. Ok, on lui tourne. Ah, attends, je vais trop vite. Ok, c'est bien ce qu'il me semblait. Il a un petit peu, mais vraiment un tout petit peu trop de PV. Hop là, ok, compétence esquivée. On a réussi à lui mettre 50 000 de combo. Hein. Autant vous dire qu'on l'a DPS plus que rapide. Ok, pour toi ça là, hop, autre shop comme ça avec le best hard pounds. Ouais. D'ailleurs, j'ai super MN, hein, pour ceux qui ont pas vu la dernière vidéo. Bah, je disais obtenu et c'est bon, c'était vaincu. Bah, il me fallait passer d'ailleurs quelques petits levels sur mes Superman et on a de nouveau notre V3. Ah, c'est à dire qu'on a vraiment mis grave du temps à le clean. Par contre, c'est incroyable la V3, la thèse qu'on s'est placée. Elle est vraiment incroyable cette race. Elle est vraiment trop bien à jouer. Et puis, les gars, moi je vais vous dire, on arrive à peu près au terme de cette vidéo. Bon, on a affronté 3
trois petits boss. C'est vrai qu'on aurait pu en affronter un petit peu plus. Mais voilà, c'est déjà pas si mal que ça. Trois petits boss. Je vais vous dire merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour de prochaines péripéties. Il nous reste encore pas mal de races à Awak, hein, comme V3 du coup. Et après, toutes les V3, on pourra passer du coup au V4. Mais il nous manque Minx. Non, Minx, on va faire. Du coup, il manque Shark, Angel et Ghoul. Et voilà, après, on aura du coup. En fait, on a fait la moitié. On a fait 3 sur 6. Il nous en manque encore 3 du coup pour finaliser toutes nos V3. Et sur ce, les gars, c'était Serbien. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Des bisous à tous. Prenez soin de vous encore une fois. C'est important. Ciao tout le monde. Bye bye.